Allez. On le voit derrière. C'est une grosse boule. Ah mais d'accord, c'est un gros mage. Maître de l'âme. Ok, j'ai bien fait de sauter. J'avoue que là c'était du pif. Ok, il est en mode pas content. Je sais pas s'il faut profiter de ses phases à chaque fois pour se soigner ou au contraire le taper parce qu'il prend un peu plus de dégâts. Oula! Ah, il m'a feinté, bâtard. Je suis parti du mauvais côté. Voilà, là par exemple, je vais en profiter pour me soigner. Je sais pas si je suis en train de rater quelque chose d'important. Aïe. J'arrive pas à le taper. J'ai pas fait gaffe. Allez, on peut pas dasher à travers par contre. Bon, à chaque fois il me fait la phase où du coup je peux me soigner. C'est quand même bien de pouvoir dasher plus souvent hein, contre ce genre de boss. Pour esquiver notamment ses attaques à la con. Aïe! Pas tard. Mais soigne-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Il est mort. Bim! Allez! What the fuck? Il est pas mort! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Mais du coup j'ai plus de vie. Oula, je vais te calmer par contre. Ok. Là, j'ai zéro chance d'esquive quand tu fais ça. Zéro chance de me soigner. Oh putain. C'est l'angoisse. Ok. Cette fois, il est vraiment mort, il fait des trucs partout. C'est bon. C'est la bonne. À moins qu'il y ait une autre phase encore de l'arnaque. Élan ravageur. Alors ça, on en a vu plein. Frapper le sol, on en a vu plein. Les sorts consument l'arme. Ok, donc c'est un truc où faut avoir de l'âme quand même. Voilà, là on nous apprend par exemple à le faire. On va d'abord visiter un peu. On peut se recharger par exemple. Plein d'argent. De quoi se recharger, très bien. Ah, par contre, j'ai pas regardé comment fallait faire. C'est bon. C'est trouvé. Calmez-vous. Les relous.
Ah, mais ça, c'est pour te recharger au cas où t'as fait le con. Soda l'honnête encore. Toujours plus d'argent dispo. On se recharge tranquillement ici. Hein? Attendez, j'ai raté un truc. Il y a encore passage. Mais non, il y avait un petit mec. Il y avait un ver de terre. Je t'aigue. Moi, je veux récupérer mon pote le ver de terre là-bas. Tum. Voilà. Il est content. On lui a sauvé la vie. Enfin, il était vivant, mais on l'a sorti de sa prison. Bah ça va, ça va. C'est bien passé en vrai. Là, on peut pas casser. Mais là, on peut casser. Mais je viens d'exploser mes réserves. Parce que je suis un peu con. Y a pas un truc pour se charger un ennemi, quelque chose. SVP. Que là, ah oui, mais j'ai jamais la carte. Oh là là, je sais pas ce que je suis en train de rater. Ça suffit pour se charger, ça? Pas sûr. Hein. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est surtout un raccourci. Ça n'a pas suffi. Ah, il y a ça. C'est bon. Bonjour, les légumes. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Et voilà, c'était raccourci pour revenir là. Toc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on retourne vers le banc pour voir la carte, voir où est-ce qu'on était bloqué. Il est où le banc? Il est à gauche. On y est bientôt. Tout, tout, tout. C'est un peu bizarre comme backtrack, mais... il est possible que j'ai raté les choses à droite, notamment. Alors, la carte est mise à jour. Non, visiblement à droite, il n'y a pas de... À moins qu'il y ait des trucs cachés, mais c'est tout. Il y a un endroit en bas à droite où je suis pas allé. On va aller voir. Oh, mais lui repop. Ah oui, les bancs, ça fait repop. Ok. Ça, évidemment. Alors, il y avait là à droite où je suis pas allé. Non, c'était pas là. C'était là. C'était là. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Ah! Génial! Qu'est-ce qu'il reste d'autre? On a un peu tout fait ici, hein. Tout ce qui était accessible. Il y a un petit passage en bas, on va aller voir là-bas. Près du marchand. Donc tout en bas... Oui, bah il y avait ça. Donc ça, on peut le briser, je suppose. Ah non, il faut la clé. La clé que j'ai déjà dépensée. Pour aller ouvrir le truc de merde. Alors... Donc on peut dire qu'on a un peu tout vu.
ici. Tout ce qui est accessible. Donc là, je pourrais remonter au coléoptère, mais surtout, qu'est-ce qu'on veut voir? Vers le village des Mantes, là-bas, il y a un petit passage en haut et un passage à gauche dans la caverne nocive. Et au milieu, là, les deux à droite où je suis pas allé. Les routes oubliées, c'est tout à droite, j'ai pas fait. Et vers chemin, en bas. Ah oui, mais c'était les brumes vers chemin. Je pouvais pas y aller. Enfin, je pouvais passer par les brumes, mais il y avait rien d'intéressant. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller à droite des routes oubliées. Et là, il y a trois zones où je suis pas allé, donc ça peut être rentable. Et est-ce que je veux aller au coléoptère? Parce que c'est, ça a l'air loin. Allez, on va y aller vite fait. Il faut monter une fois qu'on est bien en haut à gauche. Okay. On peut monter encore. Monte, se monte à fond, hein. Tout en haut. Voilà. Encore en haut et ensuite on suit à gauche en haut. C'est pas par là. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas accessible depuis là? Je suis en train de faire n'importe. Ah non, c'était l'ascenseur. Oui, d'accord, ok. Faut remonter à droite, prendre l'ascenseur, génial. Ok, c'est bon. Alors, j'ai compris. Et voilà, c'est ça. Et là, full gauche après. Et on va pouvoir retrouver la station de coléoptère. Pim pum. C'est quand même confortable hein, ce saut de vitesse, de célérité. Calmez-vous. Bon, en même temps, je les respecte pas, hein, je les attaque pas. Ah bah, du coup, le décès. Bien joué. Bravo. Ça meurt pas sur les boss, mais ça meurt sur les ennemis au pif. Pim, 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 pim. Bon, ça va vite, hein. Pas trop de soucis à se faire. Pim, pim. Du coup, on va se les faire, parce que sinon, ils vont me saouler. Fait toi. Faudrait pas mourir, ça va se voir. C'est bon. C'est tout bon. Là-haut, donc, on disait. Hop. Et à droite. Normalement, j'ai ouvert le passage en plus. Voilà, il y a les. Le petit raccourci. Nickel. Est-ce qu'on retourne en ville entre temps? On va aller voir à Dirtsmo s'il y a quelque chose d'intéressant. Que j'ai toujours autant d'argent qui ne me sert pas. Ils ont plus rien à vendre, génial. Donc il n'y a rien d'utile, hein. On s'en fout.
Routes oubliées, donc. Routes oubliées, et à droite, il y avait des choses qu'on n'a pas vues. Voilà, droite en bas, deux droites là, et droite en haut. Ah mais c'est le mec qui nous a spoilé l'arène, lui. Eh, hey, pâle créature, tu utilises ces vieilles lignes. Pathétique. Un véritable guerrier se porte lui-même au combat. Il a eu besoin d'une telle commodité. Oh, j'avoue que c'est quand même plus sympathique. J'avais pas trouvé le vendeur. Alors. Carte. Marchand, c'est les... J'ai l'autre marchand en bas, là, mais... C'est le forgeron. Forgeron, j'ai pas ce qu'il faut. Lui, c'est pas un marchand, c'est un mec à qui on vend, c'est le collectionneur. Et du coup, j'ai rien trouvé d'autre. Ah oui, on peut aller voir les potes. Là, il y a les potes qui donnent du pognon. Et là-haut, bah, le marchand à la con. Hein, Donc, j'ai pas trouvé de marchand, non. Enfin, rien qui vende pour des âmes, en échange des âmes. Voilà, par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, un mec avec un bouclier. Il manque un truc. Oui, bon, j'imagine. Merci de pas spoiler, en tout cas c'est sympa. Ah bah là, il y a un truc. On dirait un téléphérique. Après, voilà, j'avais pas visité cet endroit alors que ça a l'air d'être une zone de départ. Par exemple, peut-être que je vais trouver quelque chose d'utile ici. Le fameux truc qui ressemble à un téléphérique. Ah, mais c'est un téléphérique pour de vrai. Une porte avec une fente ouverte. D'accord, donc non, j'ai pas ce qu'il faut. Ah merde, lui, quand il tombe, il fait des dégâts. Ok. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette mouche qui dort? Easy, bah oui, maintenant que j'ai augmenté mon arme... Je pense que les ennemis de base, ils sont plutôt simples à tuer. Ouh, c'est pas fini. On est en train de faire pop des trucs, là. Mais tout à l'heure, c'était deux two shot, là, c'est one shot, donc... c'est quand même un peu cadeau. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok. Un banc. On va pouvoir voir la carte. Alors, où suis-je? Donc le téléphérique, il manque toute la zone en bas à gauche et en haut, ok. Et donc voilà, une autre personne, donc potentiellement un shop. Oh. On dirait un barbe à papa. Oh, tu m'as surprise. Bonjour, bonjour, entre mon petit cœur et fais comme chez toi. Je suis Salubra et ceci est ma boutique. Et bien voilà. Est-ce que ce sont ceux du village que t'as envoyé ici? Oh, un charmant petit village. De quoi parlions-nous déjà? Ah oui, les charmes. Oh là, elle a bien défoncé. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vends? Ah, ben voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On va acheter un emplacement, ça c'est plutôt évident. Comme ça, on pourra mettre plus de charme. Il m'en faut 5 de plus pour pouvoir acheter ça. Je pensais pas à ça, mais bon. Alors, ben, 1, 2, 3, 4, 5, on peut tout acheter pour acheter l'emplacement derrière, mais ça va être trop cher, donc on va voir ce qu'il y a. 100 de vie, ce charme sointe constamment de ce sang de vie qui stimulera mon métabolisme. L'aiguillon que vous maniez est tellement adorable, mais vous avez-il de penser qu'il pourrait être un poil plus long? Eh bien, pourquoi pas ça, tiens. On va l'acheter. Rock solide, j'aime la simplicité, c'est élégant, si vous le portez, vous manierez votre aiguillon plus facilement. Allez, tout ce qui touche à l'arme, c'est bon à prendre. Ouh, ça coûte 3. Es-tu un lanceur de sorts, petit coquin? Si tu apprends un sort, il faudra vraiment acheter ce charme, il rend les sorts beaucoup plus puissants.
Et canalisation rapide, cristal qui se trouve au milieu est très joli, n'est-ce pas? Ça peut s'aider à se concentrer. Allez, ça c'est genre pour se soigner plus vite, on va le prendre. Je peux pas acheter les deux autres. On va acheter le pied du chaman. Hop, nickel. Et bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc là, on va tout vider et on va réfléchir. 5 emplacements. Alors le truc pour l'épée longue. Ça coûte 2, mais allez, allons-y. La célérité, c'est tentant, mais ça coûte cher. Augmente la puissance des sorts pour... Non, c'est un peu trop cher, je pense. À moins que les sorts soient vraiment craqués avec. Empêchant son porteur d'être repoussé en arrière après avoir attaqué un aiguillon. Alors ça va me perturber, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Sinon, il y a canalisation qui coûte cher. Tourmenteur d'âme, capture âme. La boussole. Allez, on va mettre la boussole. Épine d'agonie. Pour deux, je pourrais mettre soit capture âme, soit la célérité, je pense. Ou alors je mets le roc et le truc d'épine. Réduit le coût des sorts, ouais. Après, on le met de la célérité. Alors mon épée est plus longue, hein, c'est ça? Je suis pas sûr de voir la différence pour l'instant, mais... Ah ouais, ok, agréable. Encore une porte. Oh, tu es un lourdeau, tu manies ton aiguillon comme une massue. Ah, jusqu'où devons-nous aller? Quoi? Qui es-tu? Oh, cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sli. Le vit une vie monotone à Dearthmoth. L'air de ces ruines ne me réussit pas, je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu veux venir me voir si tu remontes? Je suis probablement le visage le plus amical qui reste et que je pourrais remercier convenablement pour ta bonne action. D'accord, donc lui, on va aller le revoir tout à l'heure, une fois qu'on sera au village. Là, j'ouvre un passage vers le haut. Là, il n'y a rien, d'accord. Donc, on va remonter par là-bas parce qu'il y a un passage qu'on n'a pas ouvert. Pim, pom, pim, pom. Eh bien, on a débloqué donc des charmes et des emplacements de charmes. Ça, c'est bien. Même si le prochain emplacement, il faut encore avoir au moins 750 de pognon. Puisqu'il faut au moins un charme de plus, à moins que j'en trouve un entre-temps. Là, il y avait quelque chose. J'imagine qu'il faut passer par en haut. Allez, les fameuses infos. Aïe, mais fais ça mieux, s'il te plaît. J'arrive pas, oh, c'est nul. Pourtant, c'est si simple. C'est juste des petits coups vers le bas. C'est si simple. Bon, j'ai mon dash quand même. Voilà. On peut aller les voir d'ailleurs ceux-là, parce que s'ils me donnent beaucoup de pognon, pourquoi pas. Pourquoi pas l'argent. Ok, donc là il y a encore un passage en haut qu'on peut aller checker. Ok, bon, ceux-là... Il s'est protégé vers le haut, mais bizarrement il a arrêté. Donc c'était cadeau. Là, il y avait un mec caché, lui. C'est là? C'est là. Oh, il fait bien sombre ici. Il me fait un peu peur. Ah là, c'est bloqué de toute façon. Attendez, il n'y a pas un truc là-haut? Non.
Ok, donc là c'est bloqué, très bien. Ouvre les portes. À droite. Peut-être qu'à droite il y a quelque chose d'intéressant. Par là donc. Allons voir. Ah oui, c'était la mine. La mine, j'étais bloqué par quoi déjà dans la mine? Ah bah oui, il y avait ça. Hop. Ok. Mon cristal, très bien. Eh bien allez, mon cristal. Ah mais ça c'est le passage qu'on a vu tout à l'heure, j'imagine. Ah non, il est bloqué dans l'autre sens maintenant celui-là. Donc il y a encore une autre zone qu'on va pouvoir débloquer pour ouvrir. D'accord, on peut pas taper dans le dos. Et de face, ça va, ils explosent pas, c'est bon. Je sais pas où je dois aller. Hein. Tum. Y a pas un passage là. Pas du tout. C'est que ça. Ah, c'est du pognon. Ok. Ça sent les phases de plateforme bien dégueu ça. Hein. Bon, je sais pas où je vais, on va visiter. Pff, attention, les mineurs ils balancent leur truc. Leur pioche. Ça doit être problématique. Ouh, il tape aussi au cac. Très bien, attention. C'est plutôt cadeau. Je refuse de rater ça. Là, ça va plus vite là. Easy. Il est content. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Ouh, des lasers. Qui tire des lasers? On peut pas les buter d'ailleurs. Il va falloir faire gaffe. Tout simplement. Les cartes. Oui, je veux la carte. Baisé par ma connerie. C'est bien les esquives. Hop. Moi je suis les cartes pour l'instant. Point, 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 point. Êtes-vous venu escalader la montagne? J'ai entendu parler d'un sommet qui est tout là-haut. Beaucoup trop pour moi, je ne suis pas très à l'aise avec de telles hauteurs. Oui, je voudrais acheter la carte de la région pour 112. Pourquoi 112? Je ne sais pas. Mais pour 112. Alors, on voit que j'ai raté un banc en bas, c'est un peu dommage. Je pourrais aller le récupérer. On voit qu'on peut pas aller là non plus. Ni là-haut, visiblement. C'est bloqué. Ok. Alors, j'avoue que je suis un peu motivé par le banc. Ouf, ouais. Ça, je l'ai vu venir un peu tard.
Le banc, c'est pas tout de suite là. Tant pis, hein, je redescends. Je me retape le chemin. Trop grave. Hop. Oui, bon, on va quand même redescendre par là. C'était où le banc? Encore en bas et à droite? C'était par là, hein, ouais, ok. Effectivement, zone que j'avais pas vue. Et le symbole du banc. Hop. Nickel. Alors, par contre, il fait bien sombre ici. D'accord, des plateformes qui se retournent. Un 9 France, très bien. Là, pourquoi pas. Pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe aussi ici. Il y a peut-être un truc en bas. Hein. Est-ce que ça rejoint le banc? Ouh, bâtard. Ah mais il pose des... D'accord, il pose des aiguilles partout, lui. Des cristaux qui foutent la merde. Voilà, est-ce que de toute façon le banc, ça rejoignait pas? Très bien, ça rejoignait. Ok. On va remonter par là du coup. C'est marrant ce petit contre là. Un peu de thunes. Évidemment, je retombe là. On va visiter par là. Hein. Ouh, on voit rien. Ah, la baise. Ouais, d'accord. Pas sûr que ce soit une super idée d'aller là direct. Y'a un mec qui pleure. Il est trop content de me voir, mais je peux pas le libérer. Désolé. Désolé mon petit cas. Eh bien non. Ce sera pas pour toi, pas pour tout de suite. Et je reviens ici, visiblement un passage. Un lien entre les zones. Je pense que je vais remonter quand même. Bien joué. Ok. Oui, parce qu'il y avait là-haut. Let's go. Hein? Bah non, débile. Bon, je vais tenter ma chance du coup. Le tout pour le tout, à l'aveugle. Oh! Dommage, on y était presque. Allez, j'ai encore un PEV à tenter. Oh, mais il a lâché des trucs. Oh, mais du coup, je suis mort. Putain. Ah oui, les cristaux qui étaient restés sur le sol, la belle baise. Bien joué, bien joué. Hop, j'aimerais bien récupérer juste du coup mon arme. Je la vois pas. Bâtard. Mais bâtard, calme-toi. Elle est là, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Allez, je vais me faire full niquer là. Tout, tout, tout. Si je me fais niquer mon argent, je vais être déçu. Mon âme, s'il te plaît. J'essaie de la tirer un peu, mais c'est pas facile. Hein. Ah, bah c'est mon âme qui m'a tué. Ah mais du coup ça se passe comment? J'ai replu mon âme mais qu'est-ce que ça veut dire? On va farmer les soins ici parce que c'est plus simple. Comme ça j'aurai toujours un peu de soins quand même. Qu'est-ce qui va se passer là? Les œufs rances. Ah c'est à ça que servent les œufs. Là, il est là mon âme. Elle est là. Reviens, s'il te plaît. C'est pas con. Ah oui, voilà, mais du coup, je reviens avec 7. Donc, full baiser. C'est bien. Heureusement que j'avais tout dépensé, du coup. C'est plus confort. Mourir avec 300, c'est moins grave que mourir avec les 1500 que j'avais tout à l'heure. Du coup, c'est ok. Et puis on va oublier cette zone hein, de malheur. Pour l'instant, tant que j'ai pas une torche ou une lanterne ou je ne sais quoi. Pour se concentrer sur cette zone, voilà. Ah! Ah là là, le mineur qui m'a dévoilé un passage secret. Hein? Moi, je peux pas y aller. Dommage. Là, par exemple. Ok. Ah non! Ah putain, ça me remet là en plus. Mauvais timing. Je suis en train de me perdre. Ok. C'est bon. C'est bon, libérer le petit gars. Tranquillement. Ok, on retourne sur ses ennemis plus simples. En bas, en haut. En bas, ça va amener au petit... pote. Là c'est bloqué. Oh quoique c'est pas clair hein. Ça avait l'air d'être le chemin vers le petit gars mais c'est pas si sûr. Non, ok sûr. Le laser s'est arrêté avant que je saute et fasse n'importe quoi. On va récupérer un peu de pognon du coup.
bâtard. Pas plus lucide, hein. Ok. Petite phase de piège quand même, hein. Il est là le petit gars. Voilà. Salut mon pote. Par contre ça c'était de la merde. Ok. Alors, bah du coup pour aller chercher du pognon, pourquoi pas. Et je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire ici, donc on va pouvoir remonter. Et aller où? Aller là-haut, parce que c'est là où je peux aller. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Cassez-vous. Ça y est, là je commence à galérer un peu plus. On a fait le boss magicien du premier coup et on se fait tabasser par les ennemis de la mine. Ce sont des choses qui arrivent. Ah ! Bah la baise. Donc on peut pas aller par là. Eh bien soit. Pourquoi pas, eh bien on sait qu'on doit monter alors. Ou aller à gauche. Non, à gauche ça va être c'est la zone avec tous les cristaux, on peut pas. Tout s'est arrêté. Bon c'est bien. C'est cool. Voilà, et là en haut. Ok. Let's go. C'est les mecs des lasers. C'est bon, ça esquive. Prendre son temps tranquillement. Voilà. Bim. Ce serait bien de trouver un banc pour voir la carte ou ce qu'on a fait. Et ben voilà. Fantastique, le jeu qui m'entend. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boss avant un banc. Gardien de cristal. Comme ça, pas trop relou. Le mec veut juste le sauvegarder et bim, on lui met un boss. Life. Ah, c'est pas fini. Non, il s'enfuit, c'est fini. La carte mise à jour. Alors effectivement, il y a la zone à droite là avec la zone sombre, on n'a pas pu aller. Ensuite à droite et à droite en haut, c'était bloqué. Peut-être par là. Non, on peut pas. Et on rouvre ici, d'accord, ok. On a débloqué le passage. Hein? Ah mais c'est la baise, oh là là. Oh là là. Très bien. Alors du coup, on sait que c'est pas par là non plus. Tum, 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 tum. Donc là-haut, visiblement. Saloperie. Oh, ils font qu'un cœur, ça va. Pas trop dangereux. Ah oui, j'ai plus la contre-attaque. Okay. Et l'argent qui remonte assez vite, hein, c'est cool.
Je sais pas où je dois aller. Ah, salut toi. Ah, c'est une vue remarquable, n'est-ce pas? Je ne suis pas surpris que tu aies survécu au long périple de ces cavernes chatoyantes. Il émane une sorte de force en toi. Cela serait très intimidant si tu n'étais pas si petit. Calme-toi. Hein? Ok, encore une zone où on peut pas monter. Peut-être qu'on aura un genre de dash vers le haut hein, plus tard. Ça, ça va ouvrir le raccourci 100%. Ok. Là. Est-ce que ça ouvre la porte aussi? Non, cette porte, je ne sais pas comment y accéder. Eh bien, ce sera pour plus tard. Et on débloque un autre journal de voyageurs, très bien. Donc j'ai tout ouvert. Il y a cette... Ah, je me disais qu'il y avait bien un passage quand même, c'était bizarre. Passage pour un œuf et du pognon surtout, visiblement plutôt du pognon. Et à la porte sinon elle s'ouvre ou... On peut remonter par là donc c'est bon. Ok. Donc on a dit quoi? On a tout visité, donc il y avait... On a tout visité. Visiter, il n'y a plus que retourner au banc pour voir la carte pour être sûr. Et retourner à gauche là où il y avait tous les pics pour tenter notre chance, mais c'est tout. Sinon, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir ici. Puisque à droite c'était bloqué, en bas à droite c'était bloqué. Il y a les cavernes sombres, c'est pas clair. Ça, on peut pas y aller. À droite, il y a encore un petit passage. Alors. Tout en haut là, c'était pas bloqué. J'ai juste pas allé. Donc encore là, bim bim bim. Ah non, je peux aller. Ok, effectivement ça me dit. Mais on est bloqué, de toute façon. Les cavernes sombres, c'est pas clair. N'est-ce pas? Donc on peut. Visiblement on peut pas monter. Donc on va retourner au banc et puis essayer de rejoindre les coins avec tous les pics. Salut Faust, le t-shirt de streamer, le t-shirt invisible qui fait bugger. Donc c'était où? C'était pas par là. Non. Je voulais regarder ma carte, moi, comme toi. Non, c'était juste là. Juste là, à gauche. Ah oui, là, on pouvait pas. C'est vrai. Et il reste un endroit. C'est bloqué. C'est bizarre, hein. C'est un truc, ça. Bim. C'était là, ah oui, et là on n'avait pas le passage. Ah, mais si! Ah, mais si, on peut passer. Ah, par contre, c'est pas très clair. Hein. Là, qu'est-ce que je dois faire? Mourir, oui. À moins qu'on puisse faire le wall jump là. Ah, visiblement on peut. Ah oui, jamais ça passe, ça. Donc je ferais mieux de me casser. Ah bah je vais décéder.
C'est l'histoire d'un mec perdu qui prenait tout pour rien. Bon, alors on va chercher notre âme. Puisqu'on s'était baisé. Donc c'était ouvert, mais c'était pas si ouvert. C'est ça qu'on pourra retenir. J'espère qu'il va pas être à l'autre bout du monde dans ce relais là. Viens. Viens, mon pote. Non, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le bâtard. Ah, il peut faire ça. Merci. Tout va bien. Donc là, on n'a plus qu'à se casser, retourner aux routes oubliées. On n'a pas découvert de transport rapide dans cette zone. Peut-être plus haut ou à droite, les zones inaccessibles pour l'instant. Alors évidemment, la zone sombre, elle est accessible. C'est juste que... bon, pas sûr d'avoir envie de me faire chier. J'ai déjà perdu des âmes un peu pour rien. Pas envie de réitérer. Aïe. Bien joué. Voilà, on va juste passer tranquillement. Vérifier que j'oublie rien. Route oubliée, n'importe quelle des portes. Hein, moi, peu importe. Pas de soucis, ça change rien. Ah si, là on pouvait pas y aller. Génial. Donc il y a visiblement un moment où on va trouver une torche, une lanterne ou quelque chose dans le style. Hein? Mais je peux pas remonter. Attendez, je me suis en train de me faire baiser, là je peux pas remonter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, je peux pas aller là-haut. Oh la pèse. Donc je suis condamné à rester ici pour l'instant. Un mec perdu qui était perdu. Ah là ça y est, hein. Autant le début, trois premières heures ça s'est bien passé, on est allé direct aux objectifs. Autant là, qu'est-ce que je fais? Parce que là c'est bloqué. Là y'a rien. C'est l'histoire de Hollow Knight. Bon bah on va retourner Attends, on va retourner où? On va retourner au banc et bah on va faire la zone sombre, tant pis. Je pense que j'étais pas si loin de la réussir, mais c'est juste que j'ai pas envie de reperdre toutes mes âmes. D'ailleurs, un endroit que j'ai pas vu, bah j'imagine, mais si je regarde la carte, en haut je peux pas y aller. En haut à droite c'est bloqué, en haut à côté du banc c'est bloqué, à gauche là où il y a tous les pics c'est bloqué. Il y a un endroit, si je veux pas faire vraiment la grotte sombre, il y a un endroit où je peux aller peut-être, mais il me semble que c'était fermé par une porte, donc on va aller vérifier. Alors, on va vite faire le trajet, c'était là-haut, là... Là, hop, maintenant que c'est ouvert, et juste à droite, je crois. Non, faut encore monter. Toc, voilà. Et là, juste à droite alors, peut-être. Non, voilà, là c'était bloqué. Donc là, je peux pas accéder non plus. Mais on voit qu'il y a un espèce de passage si je tombe par la droite. Alors comment je pourrais faire? Par ici. Ah, par ici, d'accord. Voilà, et là ça s'ouvre. Ok, donc là on a une zone qu'on n'a pas visitée effectivement. J'ai bien fait de pas trop pousser dans la grotte sombre.
qu'en bas. Hein. Ça m'intrigue. Ah, juste du poignon. Okay. Ok, donc là on a une nouvelle zone. J'ai envie d'aller à droite. La mauvaise idée. Il y a une chenille. Oui, mais je peux pas aller la chercher. Elle est trop loin. À moins que je puisse la voir avec mon sort de... De boule de feu, mais je crois pas. Malheureusement, elle est trop loin. Donc à droite, c'était pas le bon call. Quoi ? Ah oui, les pics. Les pics. Ok. La recharge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une phase à esquive. Ça va, les esquives, c'est plus simple. Sauf si on fait le con. Ok, donc il y a un timing à respecter à la fin quand même. Ça sous-entend le double dash. Eh bien, peut-être. Ou un double saut ou quelque chose. Effectivement... Ça veut probablement dire qu'on aura un dash plus puissant par la suite. Alors, donc là on a dit il y a une petite phase. De timing. Ok. Wow, ça va. C'était gratuit quand même comme timing. Ils nous remettent un soin avant, un soin après, ça c'est sympa. Y'a rien en haut. Y'a rien en haut. Yeah. Je sais pas où je dois aller. Voilà, là typiquement une phase où on pourra voler ou quelque chose. Ça c'est sans boss. Examinons. What the fuck. Cœur de cristal, maintenez LT pendant que vous êtes au sol ou cramponnez un mur pour canaliser la force. Relâchez le bouton pour vous propulser en avant, effondre les airs. On y est, Faust, c'est ça qu'il nous faut. Maintenir pour la ruée puissante, voilà, ok. Comme ça, c'est assez clair. Bim ! Assez jouissif de tout refaire. Et donc, maintenant, on peut aller chercher notre poteau. Bim ! Le jeu easy, ça y est, le jeu easy.